C'est vrai qu'on a eu un entame de match difficile. Erreur d'arbitrage ou pas, je sais pas. Je suis trop loin pour honnêtement pour voir. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction qu'il y a eu. Même à 10, on a réussi à produire du jeu sur ton première mi-temps. Où est-ce qu'on a essayé de déséquilibrer cette équipe et d'avoir la possession du ballon aussi, c'était important. Chose qu'on a réussi à faire, on a réussi à égaliser. Et après, voilà, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus dur, mais très encourageant voilà, en obtenant ce match nul parce que voilà, tout le monde a beaucoup couru et a beaucoup donné pour essayer aussi de gagner ce match. Mais bon, quand on n'arrive pas à gagner, comme on dit, il faut savoir pas perdre et c'est ce qu'on a réussi à faire. Il y a eu un bon appel de Dylan et je l'appelle parce que je sais que je suis tout seul et il me la met pratiquement, je crois, sans me voir. Et voilà, c'est ce qui fait que je marque et voilà, si on arrive à continuer à créer ces complicités, ça sera bien pour l'équipe. C'est vrai que là, physiquement, je me sens bien. Et voilà, c'est vrai qu'à 10, il y avait souvent des compensations à faire. Et voilà, j'ai essayé d'aider au mieux l'équipe. Et il n'y a pas que moi, il y a toute l'équipe qui l'a fait. C'est ce qui a fait qu'on a réussi à faire un match consistant quand même. Ouais, c'est vrai que c'est encourageant. Mais après, j'ai vu, c'est quand même très serré en dessous. Donc, on va pas s'enflammer, on va rester dans notre petite bulle et essayer de continuer notre chemin.